Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer les manches en illimité sans rien faire sur Call of Duty Cold War Zombie sur la map Fire by Z. Alors tout d'abord pour réaliser ce glitch il vous faudra au préalable faire le God Mode de la map Fire by Z. Donc si vous ne savez pas comment le faire, il y a une playlist en description avec plusieurs tutos qui vous expliquent comment réaliser le God Mode sur cette map. Il y a juste une petite variante pour le glitch God Mode en mode solo, donc avec deux manettes. Le truc, c'est qu'ils ont patché le semi-God Mode allongé. Donc avec votre deuxième manette, vous ne pourrez plus être en God Mode allongé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me sers du troisième générateur pour justement l'activer quand il reste qu'un seul zombie. Comme ça, le zombie est attiré par les générateurs. Et comme ça, j'ai pas un zombie dans les pattes pendant que je fais le glitch. Et je ne dois pas gérer deux manettes à la fois. Donc c'est le seul petit truc qui change si vous voulez le faire en mode solo. Alors si vous ne voulez pas le faire en mode solo avec deux manettes et que vous n'avez personne de disponible pour réaliser le glitch en duo, eh bien je vous invite à mettre votre gamer tag ou votre pseudo PSN ou Xbox dans les commentaires pour trouver d'autres joueurs. Si jamais vous ne trouvez toujours pas, je vous invite à rejoindre le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé qui vous dirigera vers le Discord de Nexus. Et dans ce Discord, il y a un salon recherche de joueurs. Et dans ce salon, vous pourrez trouver d'autres joueurs qui voudront peut-être réaliser le glitch avec vous. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais ça vous intéresse, il est très actif, donc vous aurez de grandes chances de trouver quelqu'un. Alors quand vous êtes en God Mode, ce que vous allez devoir faire, c'est d'avoir l'arme spéciale de la map, donc la Reika 84. Quand vous avez cette arme, vous allez l'améliorer au maximum. Ensuite, prenez le pompe que j'ai dans la vidéo et améliorez-le aussi au maximum. Sur le pompe, rajoutez le mode de munitions électriques et ensuite achetez tous les atouts que vous pouvez. Quand vous avez acheté tous les atouts et que vous êtes prêt, vous allez devoir vous rendre à la caserne numéro 2, comme moi dans le gameplay, et ensuite vous allez viser vers le sol. Quand vous allez viser vers le sol, ce que vous allez faire avec votre manette, c'est mettre un élastique pour que l'élastique maintienne la touche R2 pour que ça tire en illimité. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tirer en illimité, donc à un moment, vous allez manquer de munitions. Mais ce qu'il faut savoir sur la map de Fire by Z, c'est que les mini-boss, donc les zombies imitateurs, et les zombies massacreurs, quand vous les tuez, ils vous donnent un stack de munitions assez conséquent. Donc ça va vous permettre de récupérer des munitions en illimité. En plus de ça, si vous avez de la chance, quand vous allez tuer un zombie, peut-être que le zombie vous donnera aussi des munitions max. Donc en réalité, même si vous tirez en illimité, vous allez toujours récupérer des munitions. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez rien à faire, ça passera les manches tout seul en illimité et vous gagnerez des XP en illimité. Alors c'est possible qu'à un moment, vous manquiez de munitions. Si vous manquez de munitions et que vous n'êtes pas devant l'écran et que vous ne le voyez pas, c'est pas grave parce que les zombies qui vous attaquent devant vous vont à un moment donné disparaître et ils lâcheront des bonus. Et les zombies mini-boss, c'est pareil. Ils seront devant vous, ils disparaîtront et ensuite ils lâcheront des munitions, ce qui vous permettra de continuer le glitch et de faire des manches en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je vous laisse un gameplay où justement je vous montre que je passe plusieurs cycles d'armes sans manquer de munitions. Comme ça, vous voyez bien par vous-même que ça fonctionne réellement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolou Mike et ciao. Peace. Don't know it. I'm losing my
bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, 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 bruh.